Salut à tous et à toutes. Attendez, je cherche après mon truc. J'étais en train de dire que mon micro me facilitait la vie, mais on s'en fout de ma vie. Alors, aujourd'hui, nous allons jouer au Wou continue à Monster Hunter parce qu'il y a eu une mise à jour il y a peu de temps. Et aussi, j'avais envie de faire un peu de gameplay sur ce jeu-là parce que je l'adore, ce jeu. C'est vraiment un jeu de l'amour. Enfin, je crois. Est-ce que j'avais dit que j'étais Wou de moi? Attendez, je vérifie encore les Selmani. Alors, vérification du contenu additionnel, ce qui est normal puisque j'ai des trucs additionnels. Donc, faites pas attention si vous entendez un bruit bizarre de micro. J'arrive pas à le mettre correctement parce qu'il est tombé. Enfin, il n'est pas tombé, mais j'ai une manie. Je supporte. J'essaie de checker en fait si le micro est bien dans ma direction au niveau d'enregistrement en fait. Mais en fait, il bouge en fait, ce petit connard. Le petit swallow. Ça semble pas mal. Ouais. On va dire que c'est bon, hein, comme ça. On va laisser comme ça. Donc désolé pour le petit bruit bizarre que vous avez entendu. On dirait un bruit de comme si je posais des, je sais pas, des plantes ou quoi. Enfin des trucs de plantes. Ah merde, il faut appuyer. Je me dis mais c'est buggé. Bon alors voyons voir. Normalement ça coupe le son de la TV automatiquement. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est pratique en fait, c'est que ça coupe automatiquement le son de la TV et du coup ça aide pas mal. J'aime bien ces musiques. J'ai vu qu'il y avait une trace sur mon téléviseur. C'est des mouches, Voilà, merci d'être venu. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu un message de quelque chose. Alors, je vous présente. Non, en fait, c'est les bugs, mais je sais pas, normalement, ça doit apparaître avant. Ah non, on était dans... Non, c'est moi qui dis des conneries. Mais si, on était dans le truc de menu, là, non? Non, on était dans le truc de start, c'est ça? Où on doit appuyer sur start pour rentrer, sur start pour rentrer dans le jeu, c'est ça? Alors c'est cohérent. Mais je sais pas, j'ai bugué. On s'en fout de ma vie. Alors, voici mes deux... J'allais dire mes deux femmes, non. Mes deux fans de rock'n'roll. Non, je connais. Mes deux fans de Wou, peut-être plutôt. Ils sont fans de Wou tout mou. Non, je sais pas. Bon, plus sérieusement, voici mes deux compagnons que moi j'ai pris, que j'ai. Bon, bien sûr, Okami, c'est pas son vrai nom, hein, parce que de base, c'est un autre loup qui est mon loup de base. Mais voilà, ce rigolo. Alors, peut-être qu'ils ont réglé un problème au niveau des yeux, parce qu'en effet, Okami a des bons yeux maintenant. La dernière fois, ses yeux, il y avait un souci. Donc, on va voir si c'est ça, hein. On va vérifier en plein jeu. Parce que je vous confirme que la dernière fois. La dernière fois en fait,
En effet, le loup Okami, ses yeux étaient bizarres, il me semble. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, événement tempête désert. Palico a téléchargé Mimi. Shunku a téléchargé Thor. Quête événement Academy Parama. Pack Guild 2. Ok, on y va. Alors, d'abord, on va mater un peu nos animaux pour vérifier si tout va bien. Oui, c'est bizarre tout ce que je dis là. Bon, alors, toi, tes yeux sont noirs, quoi qu'il arrive, tout le monde. Donc, toi, tout est normal parce que de base, les yeux de Candiel sont. Je les ai mis en noir ténèbres, sombres. Ah, ma beauté. Oh, t'es belle. Oh, t'es la plus belle. T'es la plus belle. Et du coup, l'autre, c'est plutôt l'autre que. Gardez ce beau gosse, est-ce qu'il me colle? Arrête de bouger! C'est ça où? Ah non, mais non, j'essaie de voir tes yeux, arrête de bouger! Non, ça fait toujours le même effet au niveau des yeux, je sais pas pourquoi. Ses yeux sont noirs. S'il arrêterait de bouger. Hey Miss! Enfin, Miss, c'est un mâle de base, donc il est travesti, MDR. Ah. Non, parce qu'en fait, c'est Moctuaris, hein, comme j'ai dit. Je peux vous montrer à quoi il ressemble de base, mais moi, j'avais déjà montré à l'époque. Mais bon, voilà. Et du coup, on peut lui monter dessus. Enfin, si je savais comment on fait de retour, parce que j'ai pu jouer depuis un moment. Merde. C'est génial, ça, quand tu te... Ah ouais, mais ici on peut pas sauter, c'est juste on est dans le jeu. Quoi? Quelque chose vient d'arriver pour toi. Ah oui, si tu me parles comme ça, beau gosse. Non, je sais pas. Ok, petit rond, dis-moi tout. Oh, Mister Wu, il y a du nouveau contenu additionnel. La lampe arrête de bugger. J'ai une norme de chez Electro Dépôt à 4€ LED là qu'on éteint, on allume et ça change la couleur de ben, la couleur entre roux un peu jaune comme ça chaleureux et blanc etc. Et du coup ici elle est, ça fait déjà 2-3 mois que je l'ai et elle commence à déconner, elle change tout seul, elle bug pas possible, c'est chiant. Je vous dis pas, c'est désagréable. Elle est en train de faire mode éclair là. Hey, carte mère, elle déconne grave là. Ça se voit que ça coûte que 3-4€ un truc. Putain. Pardon. Excusez-moi de la grossièreté, mais ça m'énerve. Parce que ça veut dire que je dois en acheter une. Ou pauvre. Bon, en même temps, l'électro-dépôt, c'est l'électro-dépôt de Carnion. Hein. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Quête défi 3. Événement, examen, non. Merci petit chat. Non, à toi aussi. J'en étais où moi? À mater des saucisses grillées pour tous. Non, je ne sais rien dire tout ce que je dis. Bah c'est de la nourriture. C'est dès que j'ai faim peut-être. J'aime bien dire des conneries aussi, ça c'est rigolo. C'est trop cool. Alors. Désolé si ça a saturé à tantôt, hein, c'est parce que voilà. Ah, attention. Ah mince, j'ai raté quoi, le truc. Allez, hop. Petit ronron. Allez, hop. Une, deux. Allez, on taffe. On de ronron miniature. Ah, je donne ça. C'est la ronron vie. C'est la ronron vie choix. Bande de ronron. Vous êtes ronron, vous êtes tout mou. Voilà. Et je m'en fous en allant insulter. Ah ouais, merde, le son.
La musique, ah, elle est trop forte. Merde, je suis gouré de boutons. Ça se peut depuis tantôt, vous m'entendez pas en fait. Alors, j'ai un problème, je ne sais pas comment on fait pour aller. Ah, menu. Oh, c'est chiant de devoir régler toujours le son. Option. Audio. J'ai dit audio enculé. Alors, voix du joueur. C'est surtout la musique en fait. Allô? Ouais, j'ai pas dit de la retirer non plus. Voix des PNJ. Voix des joueurs. Effet sonore. Peut-être éventuellement mettre à 85. On s'en branle. Ça, techniquement, il faut quand même les entendre, donc on va dire que c'est bon. J'aime bien les musiques. Hein. Voilà, je... Ah bah, il est à mort. On va dire que c'est un bon compromis. Donc désolé que le son soit trop fort. Pas fait exprès. J'en suis sûr qu'il n'est pas si fort que ça. Ouais, parce que je l'entends dans mon retour en fait. Donc je me dis que non, c'est moi qui me trompe en fait. Attendez. Parce que le son là, c'est en temps réel. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'avoir de la musique dans l'autre sens. Hop, donc j'en fais rien à foutre, je remonte encore un peu. Alors là, on peut arrêter de faire ta salope. Allez, comme dans Mario 64. Hop. Voilà. Regardez ces jolis ronds musicales. Le mec tout ça. Waka waka. Voilà, ça c'est un ronron kung fu. Petit dédicace à Joss qui me casse, qui me taquine avec ça. Ouah, du kung fu. Ça c'est un ronron kung fu du coup. C'est un ronron tout mou. Voilà voilà. Allez beau gosse. Oui, quand mortuaris passe bien. Merde, une souris de bouton. Ouh, ça va être galère tout ça. Ah. Donc, du coup, maintenant, je vais aller dans l'album. Il faut supprimer cette merde. Et bah, ça, tu me le supprimes. C'est quoi cette chose? Oui. Oui, tu supprimes. Bien sûr, comme je sais que ça se télécharge là aussi, que je le supprime là aussi. Ouais, hein, vous savez pas, quand vous faites des photos, en fait, ça se télécharge dans les trucs là aussi. Oui, ce que vous voyez, c'est pour dessiner les personnages, que je prends des photos des pattes et tout ça, pour pouvoir les dessiner par la suite. C'est une note de référence. Je prends de partout, quoi. Ce que je trouve, sincèrement, les pattes, ils sont bien faits ici, ceux de chez Okami. Si elle arrêterait de bouger, regardez comme les pattes sont super bien faites. Je trouve qu'elles sont vraiment bien gérées. C'est pas la même chose que les pattes d'origine de comment on appelle ça, elles sont trop belles. Des pattes d'origine en fait de Monster Hunter, elles sont beaucoup plus carétiques. Je pourrais aller vous montrer après. Minoto, est-ce que tu fais de la moto? Discussion, quel événement, c'est pas ça. Nana Dolica, à toi aussi. C'est peut-être à elle qu'il faut se parler. J'espère que vous m'entendez. Comment ça, j'ai mal au gosier? C'est pas vrai?
Peut-être que le son est légèrement insulia toujours trop fort. Ah, c'est compliqué, tout ce qui est truc de son. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais pas quel est le juste milieu, en fait. Ouais, c'était ça, juste milieu, en fait. Je l'avais, mais je l'ai modifié. Donc, je pense que c'est suffisant. Je sais pas, moi, j'adore la musique, donc voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon, maintenant. Le son devrait être correct. Tant qu'on entend un peu la musique, c'est suffisant. Parce que, bien sûr, quand tu fais du commentary, tu peux pas mettre tout à fond, c'est pas possible. Parce que, oui, quand moi, je joue seul, j'aime bien mettre toute la musique à fond, tout à fond, quoi, la balle. Le problème, c'est qu'ici, comme on est en... c'est le principe du jeu, je peux pas mettre tout à fond. Alors, je vais vous montrer des trucs, du coup, parce que je suis une vraie barbute. Ça, on le sait. Alors... Ouais, je la monte, vous avez vu, vous êtes jaloux, hein. Hein. Bande de jaloux, va. Je monte la belle femelle. La belle Fifi. Enfin... C'est un peu bizarre de dire ça. Je monte ma chérie, quoi. Enfin, là, je sais plus son nom. Okami. Ouais. Elle est trop belle. Est-ce que je peux sauter, là? Non. Ouais, non, je peux pas. Parce que je sais où il faut appuyer pour sauter, mais non, il ne saute pas. Regarde un peu ce qui se passe. Donc, comme vous voyez, c'est bien. Voilà, t'en as un qui bug, on sait pas ce qu'il fait. Je fais souvent ça, moi, quand je veux regarder et tout, ça peut aider. Hein? Quoi? Alette. Je sais pas ce qu'elle dit. Comment ça tu allaites? Allaites. C'est bizarre, allaiter c'est quand tu donnes du lait à tes enfants. Enfin t'as pas eu d'enfant. Enfin, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi ça dit allaite en fait. Waf, waf. Ou combat. Waf, waf, c'est ça. Regarde l'autre qui fait le con. Là, tu t'amuses? Tu sais, c'est pas là que tu dois te battre, c'est contre le truc, hein, c'est... Hein? T'es un peu comique, hein. Ouais, ouais. Hum? Oh, il est rigolo. Il est très très rigolo, il est très très comique, hein. Ah, là, là, là. Quelqu'un. Ah, voilà, au moins elle se bat. Voilà, regardez, lui il se bat au moins. Waf, c'est ça. Waf. Qu'est-ce que ça veut dire que waf? Oula, oh... Ou combat. Bon, ils sont un peu buggés, mais ils sont comiques, ils sont comme moi dans la vraie vie. Je suis autant buggé que... alors, non, on s'en fout du chat là. J'essaie de trouver où est le gosse là. Parce qu'en fait, il faut un animal qui ne bouge pas. C'est pas possible sinon. Alors, regardez mieux. C'est pour vous montrer les pattes. Regardez les pattes. Comment elles sont. Non, j'ai pas dit de disparaître. Voyez un peu comment sont les pattes. Je vous montre. En fait, comme vous voyez, le dessous est complètement plat, en fait. Vous voyez un peu le truc? C'est plat, vous voyez? Regardez. C'est complètement plat, 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 quoi. C'est juste de la texture, mais en vrai, c'est plat. Bah là, non, ça ne l'est pas. C'est relief. C'est vraiment des vraies pattes. Elle a disparu. Fait de la magie. Ah ma chérie, parce qu'elle me rentre dedans, elle aime bien me coller. Alors, hop. Voilà, vous voyez là, on voit vraiment la différence au niveau des pattes. Elles sont pas du tout... elles sont pas du tout carétiques, je veux dire, elles sont pas du tout... Par rapport à l'autre, il y a des effets de ressortiment, il y a des... Du relief, c'est ça que j'ai cherché comme... C'est ça la différence en fait. Ah, miss. Merde. Il y a encore tout dit de boutons. J'en ai marre de moi. J'en ai marre. Je vous dis, j'en ai marre.
que ça peut aider ça? Bon allez, on va le garder. Surtout que j'ai la flemme d'aller supprimer et je laisse comme ça, c'est bien. Que ça me saoule. Je pense que c'est surtout qu'en fait, si vous voulez, je risque de souvent faire des photos, même des photos normales avec la vraie console. Je risque d'en faire parce qu'à chaque fois, je me foire en fait. Donc je me dis, merde quoi. Laisse tomber, laisse comme ça. Te prends pas la tête, joue. Joue petit wou tout mou, joue. Ah, je suis bloqué. Ah, je suis débloqué. Alors, il y a un truc débile qui vous avez pas remarqué. En fait, ici, là, vous avez la voix de la chanteuse. Là, elle chante super bien, j'adore. Tout ça, tout ça. Mais par contre, si vous allez tout simplement dans cette zone, dans votre chez vous, sa voix est retirée, il y a juste la musique. Et du coup, vous pouvez éventuellement vous-même la remplacer et chanter à la place. Vous voyez un peu le truc. En fait, sa voix n'est pas là, là. Elle ne parle, il n'y a pas la voix de la femme. Donc du coup, c'est la même musique, mais sans la voix de la femme. Donc là, ok. Donc si vous voulez, je sais pas, faire du karaoké ou je sais pas, on ne sait jamais. Ben, vous savez où vous devez aller pour cette musique-là. Et pour l'autre musique, je vais vous montrer où il faut aller. Alors, un miss. Celle-là. Bon, voilà. Celle-là, pour celle-là, en fait. Bon, encore une fois, j'adore son chant. C'est même ma préférée parmi les deux. J'aime l'autre aussi beaucoup. Mais c'est celle-là ma préférée entre les deux, quoi. Donc, voilà. Donc, on entend bien la femme. Nickel, avec une voix magnifique, cristalline. Tout ce que j'aime. Je voudrais bien avoir les musiques en MP3 en fait. Enfin dans mon MP3. Enfin soit. Enfin c'est un MP4, on s'en fout. Voilà. Ici vous avez la version instrumentale sans la voix. Maïdo, ça c'est une vieille chatte un peu qui des fois qui se laisse envahir un peu et qui commence à danser tout seul. Elle est un peu vieille, je pense que c'est des fois elle... D'ailleurs, là, je sais pas pourquoi elle parle tout seul. Pourquoi tu parles tout seul? Ah, c'est bon, elle s'est calmée. Ah non. Elle veut que je parle à elle. Qu'est-ce que tu as toi? Oui quoi? Ah oui, c'est mes quêtes. C'est les quêtes en question que... Ouais, mais le truc c'est que j'ai pas encore envie de les faire ces quêtes. Ah, c'est dur. Je suis pas assez doué pour ça. Ah ouais. Je ne ferai surtout pas ces quêtes pour l'instant. C'est pour plus tard. Oui, Mama Tolika, mais je veux pas faire ça maintenant parce que je ne sens pas prêt. C'est des quêtes assez difficiles. Je fais que des quêtes nulles, en fait. Oui, je suis pas un bon exemple. Des quêtes un peu mou. Donc, est-ce que tu es mou intérieurement, toi? Je ne sais pas rien dire, parce que j'aime bien raconter des conneries pas possibles. Quête
c'est déjà fait. 4, 9, 2. Tu as encore des trucs à faire? Mmh. Et là, il y a quoi? Paradis glacé. Cherche. Ça a l'air sympa ce jeu. Oui, comme vous voyez, je prends vraiment des quêtes faciles parce que je suis pas trop quelqu'un qui cherche la difficulté dans les jeux. Donc moi, si j'ai acheté Monster Hunter, c'est juste pour les animaux en fait. Parce que j'adore avoir des bêtes qui me collent au fait. Enfin, j'adore les animaux, donc dans les jeux vidéo, tout ce qui est animaux, incarnation et tout ça, furie, tout ça, j'adore, je kiffe. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai pris. En fait, de base, je voulais, comme Monster Hunter Génération, je voulais incarner un palico, mais c'est pas faisable apparemment. Chacun ses fantasmes. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était Mimi et tout ça. Hein. Alors... D'accord... Rien à faire. Eh, hey, mon personnage est bizarre. Il agit bizarrement quand même, mon personnage. Genre, il est triste, il est blasé. J'essaie en fait de... Ah voilà. Ah, je vous dis, j'ai pu jouer au jeu depuis un moment, donc du coup j'ai beaucoup de mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je monte sur mon cheval. Voilà, je peux de retour sauter sur ma beauté. Ça va, Kondien? Tout va bien? Tout va ouh bien chez toi? Est-ce que tu es ouh de toi? Après ça, on s'arrêtera d'ailleurs. Merci. Ouh, merci. Et le jeu est beau. Hein. Pour de la Switch, sincèrement, moi je trouve que pour de la Switch, c'est vraiment très beau. C'est vraiment magnifique. Ben voilà quoi, c'est vraiment magnifique de chez Wu, magnification de Trutruf miniature. Alors, ça c'est un poisson, on s'en branle. Du coup, j'ai activé une autre musique, mais comme je m'en bats les couilles, frère, ben c'est un peu nul. Enfin, ici on dit on s'en bat les Wu flaquettes, c'est plus poli. Alors, ici c'est une zone avec un joli mur invisible. C'est magnifique, toute beauté. Oui. Est-ce que vous êtes où de vous? Est-ce que vous êtes saucissonné? Merde. C'est de la merde. Que j'ai fait. Alors, on va autre part. Du coup, on va prendre un autre chemin. Merde. Merde. Je me trompe. Je comprends plus rien. Comment on accélère encore? Mais non! J'essaie de... Oula, je suis en train de faire des conneries. Oh putain. En fait, je suis en train de chercher comment...
courir vite. Je ne sais plus comment on fait. Ah, c'est bon. Bah, c'était en fait sur la touche. Ouais, je sais pas, tantôt elle fonctionnait pas. J'ai pas compris pourquoi. Du coup, comme une merde, j'ai carrément utilisé beaucoup d'herbes. Je devrais en récupérer. Ouah, c'est pas grave, c'est pas cher. Ça m'arrive de faire tout le temps des gaffes, de toute façon. Alors, j'ai entendu des bébés. Oh, ceux-là, je les aime bien, ils sont trop drôles. Et ils sont gentils en plus. Donc, là, ils sont comiques. Oui, j'ai ils sont pas du tout méchants, hein. Ils sont juste en mode. Vous voyez, petit Wootoo, les pom-pom, les œufs pom-pom, les splits, les loulous polémani, bah c'est pareil. Ils ont une grande gueule, mais ils ne font rien. Ils sont juste en mode wouh, pétage. Regardez, vous pouvez les coller, les torturer en les collant et les narguer, les voilà, un peu les casser. Voilà, ils sont en mode wouh, pétage. Droit de ou tout mou, eux ils vous feront rien, ils sont adorables. Je les aime bien, ces petites bêtes, ils sont rigolotes. J'adore leur le bruit qu'ils font. Ça fait très faune locale. Très faune locale. Hein? Ou rouspète, petit coquet, rouspète. C'est ça, poussez-moi seulement. Vous êtes rigolo, hein. Vous êtes très très comique. Ou approuve. Vous faites partie de la ou tu tchoum compagnie tout mou. Vous êtes certifié tout mou. Vous êtes bien tout mou, ne vous inquiétez pas. Vous êtes doudouifié par vous tout mou. Vous êtes doudouifié. C'est quoi ça? Ah, c'est une mouflette, ouais. On bat les couilles. Je perds pas encore. Chasse tous les monstres. Ah quoi? Ah ben non, je vais pas tuer des monstres qui n'ont rien fait. Alors, je ne vois pas de monstres déjà de 1. Je vais pas tuer des monstres que j'aime bien. Ouais, c'est ça, je tue les monstres, mais on sait pas trop où. Par contre, laisse tomber si je dois tuer ces mes petites monstres que j'adore, là, ceux qui rouspètent, qui sont en mode ludomania. Je quitte la mission parce que j'ai pas envie de tuer ces petites bêtes, je les aime trop. Elles sont tellement mignonnes et inoffensives. Pourquoi faire du mal à ces bêtes? Non, ouf, regardez, c'est pas rouge. Parce que je me disais, ils sont adorables, pourquoi ils sachaient? Normalement, c'est censé juste assier les méchantes bêtes. Eux, ils sont pas méchantes, donc je trouve pas ça logique, en fait. Donc, c'est autre chose. Ok, ça marche, du coup. Mais par contre, alors, du coup, c'est où? Parce que j'ai pas compris. Ah, j'ai récupéré des potions. Potions que j'ai utilisées pour rien. J'ai l'impression que mon personnage il est un peu grincheux, je sais pas pourquoi. Il est bizarre. Yeah! On est en train de récupérer les potions qu'on a consommées pour rien. C'est génial! Oui, on s'en bat les couilles complètement des monstres. Hein. C'est ça, parle tout seul ce monstre. Parle tout seul. Faut aller vers le haut. Je m'en fous de toi. C'est ça, musique. J'ai pas envie de me battre contre toi parce que je m'en branle. Ah, par contre, eux ils sont assachés, non? Non, même pas. Je suis en train d'essayer de suivre les points en fait.
Je veux dire, je vois pas de monstre là, c'est bizarre. J'entends des monstres, mais je ne sais pas où ils sont. Apparemment, c'est pas ça. Décidément, je ne sais pas où c'est. Peut-être des saucisses grillées. Pour tous. Et il meurt. Apparemment c'est pas ceux-là, hein, mais c'est juste pour faire un peu de points ex. Et puis j'ai découvert que je pouvais me battre avec mon chien en étant sous mon chien. Je ne savais même pas. Parce que j'avais essayé plusieurs fois, il me semble que ça marchait pas. C'était un bug qui a été corrigé du coup. Je sais pas. Mais en tout cas il me semblait que c'était pas faisable. Du coup bah voilà, tant mieux, ils ont corrigé ce bug. J'en sais rien, ça se peut, je dis complètement de la merde, mais on s'en fout, de toute façon il y a personne qui regarde mais ou vidéo tout mou. Alors, voilà. Enfin. En tout cas, peu de gens. Bien sûr, il y a des gens qui regardent, hein, je taquine un peu. Mais je veux dire, par rapport à la masse du monde, par rapport à des youtubeurs où ils ont beaucoup de monde, c'est. Il y a une différence. Bon, chasser tous les monstres. Apparemment, c'est pas ces monstres-là. Décidément, je ne sais pas où quel monstre il parle. C'est un peu compliqué. On va continuer à chercher. En tout cas, j'adore ce jeu. En même temps, si je l'ai acheté, c'est parce que il m'intéresse et que si je continue à y jouer et que je l'ai pas revendu, c'est logique. C'est que j'apprécie le jeu, hein. Sinon je l'aurais déjà revendu, c'est logique. C'est tout à fait logique. Bon, je pense que ça va être tout le monde, quelque chose qui a pris longtemps. Je suis où moi? Mais ils sont où les monstres?
Tire dans le bon sens, enculé. Je suis tout mou. Oups. Oups. Saucisse grillée. Oh. Je suis un peu con des fois. Ah, je suis bloqué là. Parce que je suis tout. Vite. Ils sont où? Oui. Saucissonnez-le. La lampe qui change de couleur. Tu me casses où? Bon, par contre, tu sais. Non. Non. Allez, rentre. Oui. Allez. Prends ton temps surtout, hein. Bah non, je vais pas traîner. C'est tiré l'autre con. Il est où? Si je saurais déjà où est ma flèche. Ah ouais, c'est bon. Il est en train de se soigner, cet enculé. Pardon. Bonjour, mes bébés. Oh, regarde, celui-là, il est bien mis. Il est tranquille, il est pépère, comme un woutoumou. Oui, je savais pas qu'un woutoumou se mettait comme ça, mais apparemment, ça, il parie selon les woutoutoum, Mister Wou, des woutoumous se mettent. Je me suis gouré de boutons, je voulais juste remettre de côté, espèce d'enculé. D'ailleurs, t'as changé de truc, je savais même pas. Qu'a marqué. Alors, déjà. Niquez vos saucisses grillées pour tous, pour tous. Et ça n'a servi à rien, hein. Comme vous voyez, chasser les monstres, ça n'a rien fait. Mais il faut que je cherche quoi comme monstre du coup. On pas comprendre. Expliquez tout à vous tout mou. Je ne comprends rien. Je suis tout mou, c'est pour ça. Avouez votre vous méfiance. Avouez-le. Vu que c'est pas lui qu'il fallait tuer, mais c'est juste que moi qui a cru que c'était lui qu'il fallait tuer. Du coup, c'est un peu con.
Mais c'est pas un monstre, ça, c'est un chat. What the fuck? Je vais pas attaquer un innocent. Non, c'est pas non plus. Oh là, le jeu est bugué. Il me montre des trucs qui n'existent pas. Hein. À part de faire foutre, je ne tuerai pas mes mecs. Ah bah, apparemment, il y a un stud et de toute façon, je ne m'attaquerai pas, mes chéris. Pourquoi les chats, ils laissent les tranquilles? Ils sont bien dans leur habitat naturel. Le jeu, des fois, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Moi, j'ai besoin que dans mon, dans ma tête, j'ai besoin de mes connectifs. Connectivement, j'ai besoin de d'avoir ma cohérence. C'est non, c'est pas open bar pour tout ce que tu veux. Hein. Donc on va faire foutre la mission, je pense qu'on va la laisser tomber. Parce que j'ai pas compris ce qu'il faut faire. On va juste faire de l'exploration, quoi. C'est tout. Puisque le jeu a décidé de faire sa merde. Là non, arrête de faire de la lamba, s'il te plaît. Elle fait de la lamba. La oulamba. La oulamba. Alors, où nous sommes? C'est quoi ça? Je ne peux pas y aller. Est-ce que c'est parce que je suis sur ma beauté ou c'est juste parce que de base je ne peux pas y aller? C'est possible. Mais comme j'ai la flemme de me retirer, je suis bien sur elle. Ah ouais. Ça peut être bizarrement vu en contexte différent. Je suis bien avec elle. Ouais, en bref, j'ai pas envie de bouger. J'ai la flemme. Je suis bien avec mon joli wood ou mon magnifique wood de toute beauté. Je me gratte. C'est magnifique, on entend tout. C'est de la oua, c'est à l'ASMR grattement. J'espère que ça vous plaît. Par contre, lui, je peux le tuer. Non, pas le mur, lui. Bah non. C'est bizarre. La lampe arrête de danser. C'est pas la fiesta ici, hein. Ouais, ignore cette loue lampe tout mou. Je pense qu'elle est doudoumifiée. Ça doit sûrement être ça. Moi aussi, je suis de la marque Doudoumania. Je n'en ai pas mon monde, moi. Je laisse les gens tranquilles par rapport à cette lampe traîtresse. C'est une woue traîtresse. C'est une woue traîtresse. Saucisse grillée. Pour tous. Pour vous. Oui, j'aime bien dire des conneries. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, non? J'adore dire de la merde. C'est de la merde. Merde. Ah ben, c'est bien fait pour moi. Puisque je fais mon woue malin. Est-ce que ça vous plaît? De me voir recommencer 6000 fois la même chose. Ah bah c'est parfait alors. Restez ouh de vous, c'est très important. Oui, je suis tout mou, je le sais. Est-ce que je vous avais dit que j'étais de la marque, pas de la marque, Doudoumania? Ouais, je vous l'ai dit. Trop cool, trop cool. Trop top. Eux, je peux les one-shotter aussi. Bon, ok, là, il n'y a pas le choix. Il faut que je descende de ma beauté. Alors. Ah oui, c'est eux. Ok, bah ça marche. Je veux bien les tuer, eux. Ça ne me dérange pas. Je les aime pas. Non, pas de papillon. Eh ben. Bah alors. Il n'y en a plus. On a trouvé. Donc dès qu'on aura terminé la mission, on aura terminé avec ce jeu. Non, c'est faux, puisque moi je vais continuer à y jouer de mon côté. Hein. Mais je les ai tués tous ou pas là?
J'en vois pas. Qui est ma beauté? Apparemment, je les ai tous tués. En tout cas, j'en vois pas d'autres. Waf. Ah oui, waf, mise-moi. Sous-quête complétée. Oh ma beauté, je te prends et je te prends le truc. J'en ai rien à foutre, tu sais, mec connard, tu sais. Alors qu'elle elle a un peu de ronron difficulté. Allez, let's go, Evoli. Dans la vraie vie, c'est des pattes cassées, hein, on est d'accord. Là, on est dans un jeu, donc on s'en fout, il n'y a pas de dégâts. Mais croyez-moi que dans la vraie vie, j'aurais pas fait ça. Dans la vraie vie, je vous aurais tous saucissonné. Non, je suis alors, ouais, mais... Tu les vois où, les insectes? Ah, c'est toi que je veux tuer. Non. Du coup, il s'est pas juste précisé tuer tous les insectes. Je sais pas, au pire, la famille. C'est que plus ou moins la famille des insectes, c'est ceux-là. Enfin, entre guillemets. Tuer tous les monstres. C'est pas des monstres, c'est des insectes. Enfin, je sais pas, normalement pour moi, c'est censé être... Du coup, je sais où je dois... Maintenant, je sais ce que je dois tuer, tu vois. Donc, c'est pratique. Vraiment, je suis sérieux. Là, c'est au moins pratique. Je sais ce que je dois tuer. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est mieux. Allez hop. Ouais, ça fait plaisir. Allez. Je sens que cette vidéo là elle va prendre 5-6 heures pour être uploadée, mais je m'en fous qu'elle va se, elle va faire une heure et quelque chose. En même temps, vous allez me dire, un Monster Hunter c'est toujours quelque chose qui est très long. C'est surtout que après cette quête, dès que j'ai terminé cette quête... Non, c'est le chat, ça. Laisse-le tranquille. Tu n'attaques pas les ronrons. Encore un autre ronron. C'est pas eux que je veux tuer. C'est des putains d'insectes que je ne vois pas. Non, mais ça c'est... Il n'y a rien là. Voilà, comme vous voyez, des fois les trucs ils montrent des trucs qui n'existent pas, donc c'est un peu compliqué à ce moment-là. Bon, je sais que je dois tuer des insectes, en bref, c'est pas compliqué, on va se débrouiller comme ça. On va vraiment se débrouiller à trouver nous-mêmes nos insectes, puisque je sais que c'est des insectes que le jeu veut. Toi, s'il précisait que c'était des insectes, on le saurait, mais bon. C'est pas à tuer, ça. Eux, je les tuerai pas parce que, comme j'ai dit, c'est mes bébés. C'est mes petits bébés rigolos. Ils sont trop fun, ils sont marrants. Je vois pas pourquoi j'irai attaquer des animaux innocents, quoi. C'est ça que je comprends pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est hors de question. C'est éthique. Eux, je peux pas vraiment les tuer puisqu'en fait, c'est des trucs pour aider. Donc c'est un peu compliqué là, le jeu. Tu me donnes pas beaucoup d'insectes à tuer pour remplir la quête. Hein. Je vais te saucissonner. Est-ce que tu l'as bien entendu ça? Est-ce que tu es où de toi le jeu? Allez, réponds. Est-ce que tu es où de toi? C'est très très important. Si, 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 si. Ça où existe.
Insecte, insecte, insecte. Donne-moi des insectes. Et non des incestes. Il faut pas que je les tue quand même, ils sont inoffensifs. Non, apparemment le jeu me dit non, tu dois pas le tuer. Nous ne les zonons pas. Donc c'est bon. Bonjour les gants. Bon après je vous trouve un peu. On dirait des sortes de dodo difformes, je sais pas quoi. Donc j'en ai un peu. Enfin, j'ai pas envie non plus de leur faire du mal parce qu'ils sont gentils. Moi, si on est gentil, ben c'est pas d'être gentil. C'est pas gentil d'être comme méchant, donc. C'est pas très très gentil. Saute, saute, saute. Ah, c'est un jeu qui me tient énormément à cœur au niveau gameplay, tout ce qui est stylé. Oui, mais encore une fois, j'ai pas tué vraiment l'animal. J'ai pas vraiment sachet. Alors, tu veux que j'aille où là? Tu me dis que par là il y a un truc. Ouais. C'est un peu flou quand même, hein, comme histoire. Là-bas? Écoute, hein, c'est toi qui vois. Le jeu. Ça? Bah non. Oui, il y a un œuf à ici, il y en a. Je ne sais pas tirer. Ils sont vite décédés. Bah donc, ils tiennent pas vite de coup. Tu sais mon bébé, ça sert à rien d'aboyer dessus, hein. Ils s'en branlent en fait. Hein. T'es un peu comique hein, ma chérie. Oui. J'ai pas compris que c'est quoi il... Ah ok. Je sais pas pourquoi il a décidé de ranger son arme comme ça. Parce qu'il avait envie, tu voyais. Genre. Elle me fait rire, elle est excitée, la beauté. Genre comme ça. Il avait décidé de ranger son arme. En disant ouais, voilà, il a recommencé. Hein, en disant ouais, c'est bon, je vais ranger mon arme parce que j'ai décidé. C'est plus le joueur qui joue, c'est moi qui... C'est le jeu qui joue tout seul en fait. Ça va ma chérie? Ouais, c'est assez bizarre. C'est assez étrange tout ça. Ceci est paranormal les gens. Une nouvelle histoire d'un Wutumu et de Luffy. Il était une fois un joli pom-pom qui apparaissait dans les ombres des Wutumu. Et qui tomba si fort qui deviendrait tout de Doubini. Je sais pas quoi dire, j'aime bien déclamer. C'est genre le mec qui essaie de raconter une histoire, vous savez. Il était une fois un Wutumu qui était de la marque Doudoumania. Il était si impressionnant que les gens étaient très très impressionnés. Mais tout d'un coup, une saucisse grillée apparaît sauvagement. Et un Wutumu l'aperçoit. Et d'un coup, un seul, même pas une seconde, plus de saucisses grillées pour tous. Le Wutumu les avait mangées. Quel crime horrible que ce Wutumu a fait. Nous devons le chercher et appeler WFB. Appelons les WFB. Il faut l'arrêter. Ces Wutumu qui sont des WFB. Sont des peluches tout mous. Sont de la marque Doudoumania. Vous pouvez les trouver bientôt dans votre Doudoumania marchande. Ils sont tout mous. Avec leurs jolies pattes tout doux tout mous, ils vont venir arrêter des gens. Mais vu qu'ils n'ont aucune force, ils n'ont rien du tout pour eux, à part être tout mou et tout doux et mimi, les gens n'ont rien à foutre d'eux. Et ils ferment la porte et les voient tout mous. Se retrouve d'or. Merci d'avoir fait appel à notre service de Wutumu inutile, tout doux. Mais voilà, c'est notre service. Il sert à rien, comme certaines choses dans le monde. Ah,
C'est marrant. Mais ça m'a toujours intéressé de faire un peu le con aussi comme ça. Ça m'amuse. Non, non, sincèrement, je vous dis une chose. J'ai de la chance que mon haveur média, j'ai un disque dur, comme j'ai dit, dans mon haveur média Game Capture HD2. J'ai un disque dur externe dedans, crucial, de 120 gigas. Donc, mon Dieu, qu'est-ce que ça aide. Bon, il n'y a quasiment aucune vidéo dedans. J'en fais 2, 3, 4. Et après, je supprime les vidéos dès qu'ils sont uploadés sur le net et tout ça. Donc, je garde pas de vidéos en vrai. Du coup, ça fait que j'ai beaucoup de place dans mon disque dur. Du coup, je m'inquiète pas pour l'épisode, pour la vidéo en fait. Je m'en fous, ça fait 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je m'amuse. C'est le but. Saucissonnez-le. Alors, vu que j'ai Minecraft, non, c'est pas ça que je veux dire. On s'en fout de Minecraft. Allez, meurs. Salope. C'est ça. J'espère que ça vous a plu ce bruit dégueulasse de nez et de reniflement. Attends, je vous en offre encore. Je déconne, hein, bien sûr, c'est pour rire. C'est pour faire rire. C'est mieux de l'inclure dans un truc rigolo que vraiment ne rien dire. C'est un peu plus comique. C'est tout mou. Alors, oui, ma beauté, tu sautes bien. Bon, à ne pas sortir hors contexte. Hors contexte. Vous savez bien de quoi on parle. Essayez seulement de sortir hors contexte ce que vous vous dites. Essayez donc. Il était une fois, un roux tout mou apparition. Il était tellement doudouifié qu'il disparaissait et qui apparaissait. Nous ne comprenons toujours pas à quoi sert ce goût tout mou. Venez nous aider et contacter au 0490 87 77 7 8 8 8 8 9 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
Mais il faut vous dire que de toute façon, c'est pas très grave que ça dure 1 heure, 2 heures. Je sais que 1h30, c'est 6 7 heures en termes 6 heures d'upload. Donc ça veut dire que si c'est 2 heures, ça doit être dans 7 heures d'upload. Tant 10 minutes. Ah! Ah! 10 minutes? T'es sérieux? On va se dépêcher alors. Du coup, comme j'ai dit, un point stratégique, ça veut dire revenir dans des zones où. Je ne le vois pas, il est où? Ah ben, c'est ironique, mais il m'en manque juste un. Et c'est bon. T'en as trouvé un autre? Non. Ça aurait été trop cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la zone où j'étais avant. On va essayer de trouver une zone rapide. Il m'en faut juste un, quoi, comme j'ai compris. Et c'est bon. On a gagné. Ouais, je sais pas, mais on a gagné des saucisses grillées pour tous. Donc on va refaire mode harmonique destinée virer ou tout mou. Nous allons quelque part, nous savons toujours pas où nous allons. Les ou tout mou ne savent jamais rien, nous leur disons jamais rien. Ils croient qu'ils vont dans une destination. Très bien. Très positif. Mais en fait, ils vont se faire tchoum-tchoumiser par des Hutus. Si, 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 si. Ça ou existe. Apparemment, c'est un peu compliqué. N'abandonnons pas, n'abandonnons pas. Je surveille, je surveille, je surveille. Je surveille. Faut pas abandonner, faut pas abandonner, faut chercher, faut chercher. Je regarde où est mon truc. Apparemment, il dit que là-bas, il y en a deux. Sincèrement, un seul me suffit, mais s'il me dit qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Parce qu'encore une fois, ça peut être des fourmis, hein. On est sauvé. Non. C'est bon, on a gagné. Et voilà. Fimira Lazi! On peut récupérer tout comme ça. Tire-toi. Ouais, on a réussi. C'est une bonne chose pour terminer le jeu. Ça aurait été nul de ne pas avoir fait autrement. Il fait des saucisses grillées pour tous. Elle est où ma chérie? Elle est là-bas. Elle est tranquillement là-bas, genre coucou. C'était un plaisir d'y jouer en tout cas. C'est un peu dégueu quand même de voir ces. Enfin dégueu. Les nerfs sont encore actifs apparemment. Alors, est-ce que j'en ai besoin de quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ce que j'ai pas besoin? Laisse-moi réfléchir, mon cerveau réfléchit. Donc ça, tu prends. Merde, j'ai pas appuyé sur le mauvais bouton. Arrête de bugger. Ah. Ça, tu peux le prendre. Le minerai est toujours utile. Ah. Le reste, tu peux. Bah oui, non, je veux pas sauvegarder, je veux perdre ma progression, je sais pas, parce que je suis majociste ou soniste, et du coup j'ai décidé de perdre toute ma progression parce que je suis un imbécile.
C'est la roue vérité. Ou écoutez-moi. Tout mou tout doux. Regardez que je vous montre encore cette histoire de pâte très plate. Regardez là où c'est flagrant. Hein. Vous voyez ? Il n'y a pas de... Là on le voit bien, là on le voit vraiment bien. Regardez, vous avez vu ? Vous voyez la pâte couchée, là, la première ? Vous voyez ? Il n'y a pas de relief en fait. C'est juste par dessin. Ce qui n'est pas du tout la même chose au niveau des papatounes là. Là, il y a bel et bien du relief et tout. Voilà, voilà. Maintenant, on va essayer de quitter sans se foirer. Yeah, on a réussi les gens, on s'en prend une photo inutile. Trop cool. Merci. Oui, là, je fais toujours la même chose. Je fais toujours les mêmes collectes. Le mec qui se prend pas la tête, quoi. Ben voilà, c'est bien. Je pense qu'on a, on a fait ce qu'il fallait. Moi, je trouve ça génial. Moi je suis très très satisfait de mon gameplay. Surtout que j'ai pas envie que ça dépasse plus d'une heure. Je pense que c'est mort, hein, bien sûr. Mais voilà, on va éviter de dépasser au pire 1h30. Donc en espérant que c'est le cas. Si c'est le cas, c'est pas grave, ça change rien. Mais on va s'arrêter ici. Ah, ma beauté. Alors, petit fun fact qui ne sert à rien. On va attendre qu'il fasse. Alors ça sert à rien hein, ce que je vais faire. Allez, dépêche-toi. Ouais, il faut attendre. Si la prochaine, normalement, il devrait attraper le truc. Voilà. Maintenant, le gars, il va prendre ses feuilles. Il va marquer, il va faire le ninja marqué et il va l'envoyer à truc. Et en fait, là, il y a des trucs, on voit des trucs. Mais là, par contre, quand elle récupère les feuilles, bah, elles sont vierges. Voilà. Elles sont complètement blanches. Donc les développeurs ont oublié de remettre la même chose en fait. Les mêmes feuilles. Tu vois, ça serait pas de compliqué. Juste remettre les mêmes feuilles identiques. Du coup, c'est un petit détail, comme ça, un petit fun fact. Je sais pas si on peut dire fun fact, mais voilà. Un petit. On va dire, vu que ça se peut, ça n'a rien à voir. Personne ne fait ça dans le monde, à part les Wutumu que je suis. La vieille mémé, elle se met. Pardon. La miss, elle se laisse aller là de retour. Et hop, ouh, j'ai fait une bêtise. Ni vu ni connu. Un miss, t'es pris sur le flagrant délire. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous montre quelques trucs rigolos, voilà, des petits trucs trop mimi. Des ronrons tout mous. J'essaie de pas bouger, mais c'est pas facile. Voilà, regarde comme ils sont tout mignons. Regarde comme ils sont tout mignons. Petit ronron. Donc on va se quitter sur ça, tiens, parce qu'ils sont trop choupis. Un petit ronron qui fait à manger. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc c'était une vidéo, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas du tout fan de base de tuer des animaux, des monstres. Mais je me dis qu'il faut un peu se lâcher aussi des fois et... Comme vous avez remarqué, j'ai mes caprices, hein, j'ai vraiment mes caprices, ça veut dire que j'essaie vraiment de pas tuer n'importe quelle chose. Il y a des missions qui sont possibles que carrément je suis tellement têtu et capricieux que je vais carrément les nier, les oublier. Sauf si c'est l'obligation du scénario pour avancer, là j'aurais pas le choix. Mais je le ferais sans plaisir à ce moment-là. Mais sinon, je veux dire, si on m'oblige à tuer des bêtes que je vais pas tuer... Là, les seules bêtes que je veux pas tuer, c'est les sortes de... Ça ressemble... C'est des sortes de ratons laveurs obèses, là, qui font des bruits assez locales, assez faune locale, trop mignons, et qui sont trop mignons. Ils me font trop rire, ils sont trop choupis, et du coup, j'ai pas envie de les tuer. Pareil pour les ronrons qui sont sauvages.
j'ai pas envie de les tuer non plus parce qu'ils sont gentils et du coup, je sais pas, ils font pas d'ennui, donc du coup, j'ai pas envie. J'ai mon éthique, voilà, c'est un jeu, mais je me dis c'est bien de se mettre des règles parce que sinon c'est pas amusant du tout, hein. Parce que oui, je pourrais tuer tout et tout ça, mais c'est pas intéressant. C'est bien de donner une petite éthique et une petite règle dans ses propres jeux. C'est plus intéressant que de faire du open bar de partout. Donc voilà, moi j'ai mes règles dans le jeu, c'est que je ne tue ce que je mange, j'en ai rien à foutre en fait. Et bon, après c'est vrai que les gros monstres, il y en a beaucoup que je trouve trop beaux, surtout le Kitsune. Donc, enfin je sais plus son nom, j'ai oublié son nom, mais du coup c'est vrai que le dragon qui fait des bulles, je le trouve trop beau. Et du coup j'ai pas trop envie non plus de le tuer, mais bon on est obligé, il sert qu'à ça, il sert qu'à être tué. C'est pour ça que Monster Hunter, je sais plus son nom, mais il y a un autre Monster Hunter où on peut monter les bêtes. C'est le Monster Hunter Ultimate. Non, c'est pas Ultimate, c'est un autre nom. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Du coup, c'est le 2 là qui est sorti il y a quelques temps, il me semble. S'il est déjà sorti, je crois qu'il me semble que oui. Et si vous voulez, ce jeu, c'est un autre monster qui, en fait, vous pouvez tout simplement apprivoiser Ah oui, c'est Monster Hunter Story 2. Story Mode 2, un truc comme ça. En tout cas, il y a Story dedans. Pour le mode, je ne suis pas sûr. Mais par contre, Story, je sais. Donc, c'est sûrement Monster Hunter Story 2. Je pense que c'est plutôt ça que le mode. Je sais pas pourquoi je le fous. Donc c'est sûrement dans le nom, donc c'est sûrement Monster Hunter Story 2. J'ai bien testé un peu le 1 sur 3DS, j'ai bien aimé, mais après plus tard j'ai revendu, bon peu importe. Et du coup ici il y a le 2, ce qui est sorti sur Switch, le 1 je pense qu'il y a aussi hein, de toute façon, en meilleure qualité en plus. Mais du coup le 2 m'intéresse beaucoup parce que voilà, tu peux carrément monter le Kitsune machin là, je sais plus son nom. Ça m'intéresse énormément, quoi. C'est trop bien de pouvoir enfin les avoir en équipe et pas devoir les tuer à chaque fois seulement. Donc le jeu m'intéresse énormément. Mais par contre, je pense que je vais peut-être essayer plutôt de le récupérer à cash converter ou en occasion parce que payer 60€ ou 50€, c'est un peu cher. Ou alors minimum, vraiment, si j'ai pas de chance, 45€. Mais même là, je suis un peu triste de devoir payer si cher. Donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu et portez-vous bien, bande de petites trutrues. De toutes trutrues.